It's peanut et boss time, it's peanut et boss time. On le saura dans quelques instants. Ah non, mais qu'est-ce qui cloche cette fois? Vous ne pourrez pas aller plus loin sans le code d'accès. Le revoilà. Allons, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Si je suis là, c'est avant tout pour vous aider et vous permettre de sortir d'ici. Ah, ravale tes salades! Force est de constater que vous êtes bien plus coriace que je ne l'imaginais. Et donc, plutôt que de vous laisser vous déchaîner ici, il m'a paru plus raisonnable de faire en sorte que vous puissiez quitter les lieux de manière pacifique. Le code d'accès se compose de 4 nombres à 2 chiffres, si je me souviens bien. Voyons, ils sont inscrits quelque part dans cette salle, mais je ne me rappelle plus où exactement. Eh bien alors, qu'attendez-vous donc pour les chercher? C'est quoi cette histoire? Tiens, c'est bizarre! Les trucs ont été remis! Je m'attendais à un boss, moi! Pas un truc de recherche! Ils ont été remis, c'est qu'il y a une raison, non? Faudrait dire que le code se trouverait peut-être là-bas? Non? Non. Vous avez le code hurlé dans le chat, hein. Ouais, non, t'as les couilles derrière les trucs là. Ah, je vois un chiffre. Six, 10, 59, 97. Comment ça, votre passe invalide? Ah, ok. Albata! Ah,
Bon, il lui a pas fait grand chose, hein. Non, ça peut être efficace, hein. Ok, apparemment on peut lui faire des dégâts que dans le dos pour pas que ce soit réduit. Ah ! Arrête ! Barrette, mon Barrette, soigne-moi, Barrette. Non. Ça va faire mal, ça. Oh, ça va faire mal ce soir. J'y vais doucement mais sûrement. Hein ?
Bien fait pour toi. Fallait pas me prendre pour un chaton sans défense. Ah, génial. Taper le bras, je suppose. Wesh! Ça va, on va faire un combat de gros. La titan, elle est où ton string? Plus que les bras qui font les dégâts. Oh merde, oh merde. J'étais tentacule, je sais pas. Vas-y Titan! Vas-y mon téton! Ça se fête! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Bon travail, chers hôtes. Grâce à vous, mon manoir est désormais un peu plus propre qu'auparavant. Bien, voyons. Vous avez éliminé le sujet d'expérience qui était retenu ici. Il est donc temps pour moi de vous tirer ma révérence. Vous m'avez offert un beau spectacle. Sur ce, au plaisir de vous revoir un jour. Enfoiré de Ojo. La prochaine fois que je le vois, je manquerai pas de lui enfoncer ses lunettes dans le crâne. Tu m'aideras, bien sûr. Avec plaisir. Dépêchons-nous d'aller en haut. Faut vite trouver ce terminal. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Du coup, est-ce qu'on va trouver Vincent McDoom en haut? Thank you.
Là, les winners. Eh ben, vous avez l'air plus fatigué que nous. Ça va, vous? Ouais, ça va. Vous avez trouvé le terminal? Ben, pas encore. On a eu quelques problèmes. Bon, allez, cherchons tous ensemble. On va pas passer la journée ici. Ouais, allons-y. J'ai rêvé. T'es bien marqué. Ouh ! D'où t'es chef d'équipe ? Qui t'a nommé chef d'équipe, bouffon ? Je vais redescendre. Porte est verrouillée. Oh, c'est triste, hein. On fait quoi pour l'ascenseur ? Explorer le bâtiment, mais tu veux que j'explore quoi ? Ah, peut-être ici. L'HD, dis-moi où t'es. L'HD, dis-moi où t'es. Excuse-moi. On dirait que c'est un cercueil. On ose me déranger au beau milieu d'un cauchemar. Qui êtes-vous? Et toi alors? Dis-nous qui tu es. Vincent Valentine. Je suis... le gardien de ces lieux. Je ne vous connais pas. Que voulez-vous? Utilisez le terminal. Carte d'accès. D'accéder au terminal. Ouh, parfait. Oh ! L'ennui toutefois, c'est qu'elle n'est pas à toi, mais à Murasaki. Que lui est-il arrivé ? Ah, en effet, la carte d'accès appartient bel et bien à quelqu'un d'autre. Mais on en a un besoin urgent pour vérifier une information. On ne peut vraiment pas se permettre que notre ennemi nous passe devant. Un ennemi? Et de qui s'agit-il au juste? Notre véritable ennemi, c'est un homme qui autrefois était un héros. Sephiroth. Désormais, il veut obtenir un immense pouvoir qui lui permettrait de détruire la planète tout entière. Intéressant. Eh bien, on dirait que j'ai encore un péché de plus à expier.
J'ai déverrouillé la salle pour vous. Faites comme bon vous semble, Monsieur Murasaki. Il nous laisse y aller ? C'est bien ça ? RIP l'espoir de pouvoir l'avoir dans le groupe. Ouais, j'ai tellement de potions que là, techniquement... Ah, j'ai 42 queues de phénix, wesh! Ça en fait de la bite, hein. Et c'est qui vient de choper le hockey ? C'est Bibi ! Ah là là, putain de hockey. Ah, c'est bon, on peut se barrer du coup. Je peux, mais ça risque de prendre un peu de temps. À entrer dans cette pièce. C'est une petite erreur involontaire. Je te prie de... Lâche-moi, s'il te plaît.
Relâche-le. Qui est dans son bon droit? Est-ce moi ou bien toi? Je suis désolé, mais je suis pas d'humeur à discuter. Quelle coïncidence. Moi non plus. Oh mon dieu, on dirait Ifrit version gothique! Chaos intérieur, c'est quoi ça? Ça a l'air dangereux. En plus, il vient vers moi. Non! Ouais, je l'enchaînement là. Ouf. J'analyse ton cul vite fait. Faiblesse, feu. Intéressant. Wow. Parce que j'ai du feu sur moi. J'ai du feu, j'ai de l'extra feu. Vraiment Ifrit, hein? Non, 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 dégage. Je sais que t'es beau gosse, mais quand même. Bon. D'où il m'a eu à cette distance? Ifrit, tu vas te calmer, bordel! Parce que t'as fait un petit relooking gothique que t'as le droit de prendre à moi aussi, ça... Ah! Tifa! Dragon ascendant, c'est pas le dragon ascendant! Ah! Non, ça marche pas! Oh, il va crever le cloud! Oh, il va crever le cloud! Vite, vite, objet, vite, méga potion, hop! Vite duo dévastateur, let's go! Ah bah super, duo dévastateur dans le vent! Oh. Je prendrai bien un petit feu, hein! C'est gratuit, c'est barbecue aujourd'hui! Non, non, quel site, s'il te plaît, soigne-moi! Ah, fragile! Non! Ah, il va me bouffer le cul! Ah, il va me bouffer le cul! Il va me bouffer le cul dans quelques instants. Peut-être qu'il va bouffer le cul de Kate. Ah, bah non, hein, c'est moi, hein, bien sûr. Hein.
C'est toujours le blond hein, qui prendra la gueule, hein. Transcendance, go! T'as entendu kebab, t'es pas fini. Ouais, si on regarde, techniquement, il est pas fini. Comment ça, chaque level de Limit Break, une nouvelle transformation, t'es de ma gueule. Coup de queue, coup de queue, ça fait mal la coup de queue. Ok, 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 je perds mes moyens, je sais plus quoi faire. C'est de la triche! Ouais, tape Shiva! Shiva, c'est un bon cru! C'est mal barré. J'avoue, c'est pas mal barré là. Pas le choix. Giga potion pour Bibi. Une giga potion pour Tifa aussi. Ça va, ça va être le genre de combat où est-ce que je vais faire. Je vais balancer 5 invocations. Alors je suis pas sûr que ça lui ait fait grand chose. Effectivement, ça lui a pas fait grand chose. Oh non. Putain, mais il fait mal. Ah non, je suis désolé. En fait, on dirait le Ifrit de FF16. Glaive du chaos. Oh non, c'est un adepte du chaos. Peut-être mon moment. Peut-être mon moment de briller. Un petit feu. C'est gratuit. Ouh. Pas du M. Oh, oh. C'est le moment de briller. Je vois rien, je suis contre un mur. Je m'en fous, je tente le tout pour le tout. Kiffé, hein. Non. Non.
Je fais quoi les gants? Je fais quoi? Ce combat va me coûter cher en potions, putain! Ouh, je crois que je vais me prendre une tarte là, non? Je dois me prendre une tarte, non? Attends, il fait pas la technique de Tifa avec le salto? Que j'ai une compétence de feu. Non. Non. Oh putain, qu'est-ce que t'es presque mort. Ouais, t'inquiète, tu vas tenir le coup, de toute façon, vu le nombre de potions qu'on a disponibles. Ah, j'ai rien dit, je vais y passer. J'avais dit que j'allais y passer. Eh merde! Allez, presque dead! Yes! Valentine. J'ai vérifié. Ton nom était dans la base de données. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu restes ici. Et elle a certainement un lien avec Sephiroth, n'est-ce pas? Tout ça ne te regarde pas. Comme tu voudras. Mais tu peux venir avec nous. À vrai dire, pour ce qui est de Sephiroth, personnellement, je suis pas convaincu qu'il soit en vie. Mais je crois qu'en accompagnant ces gens, on pourrait découvrir quelque chose.
si tu préfères, tu peux rester. Allez-vous-en. Ne revenez plus. Très bien. Allons-nous-en alors. J'ai découvert où se trouve le temple. Pas la peine de traîner ici. Pas le temps de rêvasser. On y va. Pas le temps de niaiser. Oh, toi tu dégages. Remets mon baril. Et il a ouvert quelle porte? Il doit bien avoir des matériaux cachés quelque part, non? Mais tu penses qu'à ça ou quoi? Bah, c'est ma mission. Alors c'est bien normal, quand même. Du coup, les devs, ils avaient pas envie de nous mettre le personnage. Du coup, ça sera sûrement pour FF7 Réunion. Hein. Du coup, on va où maintenant? Il est où le temple des vieilles peaux? Bon, on va enfin aller au temple. En tout cas, je vous préviens, la matéria noire, je la chope direct. Si je la récupère pas, je serai complètement déshonorée. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de ton honneur? Oh. Hein? Tu veux te battre ou quoi? Et ce temps, il se trouve où? En fait, il y a un tout petit problème. J'y crois pas. Tu vas quand même pas nous dire qu'en réalité tu sais pas où il est. Non, non, je sais bien où il se trouve. Seulement... Hein? Avant ça, il faudrait qu'on fasse un tour au Gold Saucer. Parce que pour pénétrer dans le temple, il va nous falloir un objet spécial qu'on appelle la pierre-clé. Et apparemment, ça fait bien 20 ans que personne sait où elle est. Toutefois, le dernier endroit où elle a été vue... C'est au Gold Saucer, n'est-ce pas? Rien ne dit qu'on y trouvera quelque chose. Mais bon, c'est la seule piste que nous avons. Je te fais confiance. Allons-y. Je te remercie. Ça me fait très plaisir. Merci. Merci. Bref, y a pas le choix. On se met en route dès que tout le monde est prêt. Hey. T'as notre meilleur pionce. Alors, faut que j'aille où? Oh, me dites pas que... Oh, you
comme je suis heureux de te revoir. Je te préviens, tu ne m'attraperas pas. Non, non, non. Je suis ici de mon propre chef. Si mes supérieurs le découvrent, ça pardera pour moi. Cloud, tu vas m'apporter la matéria noire. C'est parce que je désirais te revoir que j'ai fait tout ça. Voilà ce qui arrive quand on roule toujours à plein régime. Bien! Faisons un dernier tour de piste ensemble, mon ami! C'est bon, je m'en occupe! Mais... Ouh là là, oh le tricheur! Viens là ta garde. Vas-y hein monsieur hein. Aïe. Bobo. C'est pas grave on a tout. Ah mon cul. Il faut que je tienne le coup. Oh le con, pourquoi j'en sais ça moi. Oh je suis supposé gagner. Vas-y, il est trop boosté ce mec. Non, je pense pas qu'on va se poser perdre. Hein. Cher, ah, il me met la douille. Alors monsieur, un attaque de tif. Ah d'accord, en fait faut le taper à chaque fois qu'il fait. J'ai fait une attaque. Jusqu'au bout, Cloud!
T'es foutu, gros! Aïe 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 aïe! Mon dos! Tu vas voir! Trop tard pour les regrets! Maudite dégénérescence! Adieu, mon ami. Toc. Encore une fois. Ouais. Allez, venez. Regarde. Camarades du réseau anti-Shinra. Je fais partie du gouvernement provisoire du Wutai. Mon nom est Glenn Lodbrok. L'heure du changement est arrivée. Tous ensemble, nous devons nous révolter. Il y a quelques jours, le grand canon de Junon a tiré. C'est un signal. Le signal que, tout comme son père avant lui, le nouveau président de la compagnie Shinra est un tyran sans scrupules. De plus, il nous est parvenu des informations stupéfiantes selon lesquelles la Shinra développe des armes vivantes à l'intérieur de ses réacteurs Mako. En conséquence, le gouvernement provisoire du Wutai a rappelé les conditions de la trêve et a demandé l'envoi d'inspecteurs afin de vérifier ses renseignements. La compagnie Shinra a accepté notre requête. Cependant, il s'agissait d'un subterfuge. Et nos hommes ont été massacrés. Regardez bien. Ce sont les images de ce qui s'est produit dans l'un des réacteurs. Voici la manière dont Rufus Shinra respecte notre cessez-le-feu. Compagnons, nous ne possédons certes pas l'armement de la Shinra. Cependant, dans chacun de nos cœurs, brûle la flamme de la résistance. Ensemble, nous formerons un véritable brasier. Nous serons forts. Unis. Nous serons même capables de faire fondre cette abominable cité d'acier. Le temps de la grande révolte est enfin venu. Nous sommes prêts à marcher.
Un homme va nous guider. Laissez-moi vous présenter le gouverneur Tarus. Alors, qui est ce Saruf au juste? Pourquoi il ne se montre pas? Nous n'avons aucune information sur cet individu. Vous m'en voyez désolé. Non, mais vous vous moquez de nous. Faites votre travail comme il faut. Bien. Et l'autre? Ce Glenn, je ne sais pas quoi. Glenn Lodbrok, ancien soldat, prototype, classe P0. Il y a 15 ans, il a pris part à une mission géologique à Rador. L'opération a échoué, puis il a quitté l'armée. Ce déserteur a bien du culot de chercher à salir notre nom. Par la suite, il serait entré en contact avec des opposants à la Shinra un peu partout dans le monde. Et aurait créé un réseau de sympathisants. Avalanche a pourtant bien été anéanti. Après la chute de la République de Junon, d'importantes révoltes ont éclaté, en opposition au traitement des diverses régions. Les survivants de ces affrontements se seraient coalisés, formant le gros du réseau anti-Shinra. Oui, c'est tout à fait normal. Ils ont pris les armes pour se libérer du joug de la République. Mais une fois la guerre terminée, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient fait que troquer un despote contre un autre. Même sans Avalanche, des ennemis, nous en avons plein. Oh, oups. Il ne vient toujours pas, ce gouverneur Saruf. L'ancienne va enfin se rendre au temple des Cetra. Pour le moment, la suivre est notre priorité absolue. La Shinra découvrira la Terre Promise. Voyez ça comme un devoir. Cette annonce du Wutai m'inquiète. Les gens de tout le territoire ont dû la voir. Elle peut être prise comme une déclaration de guerre. Nous devrions certainement émettre une réponse. Je vais faire un communiqué de presse. Tseng, s'il te plaît. Bien. Bon. Comment on fait pour aller au col Saucer à partir d'ici? Ce serait difficile d'y aller à pied. Non seulement c'est loin, mais il y a des montagnes et des rivières. T'en penses quoi, Ketsit? Alors, t'as rien à proposer? Eh bien, alors... voyons. Regardez, un fumigène. Ça veut dire que quelqu'un appelle Sid? Allons voir, il est peut-être là. Bulletin spécial d'information. Bien qu'il soit très faible, je détecte le signal d'une proto-relique au sein des hommes en manteau noir. Comment c'est possible? Je ne saurais pas l'expliquer. Et par conséquent... Il faut que je vérifie ça. Je savais bien que vous comprendriez. Les hommes en manteau noir ont l'air de se diriger lentement quelque part, tout en faisant régulièrement des pauses. J'imagine que vous avez mieux à faire, mais je compte sur vous pour les suivre quand vous aurez le temps. Bulletin spécial d'information.
suite aux images diffusées. Également dans un certain nombre de régions, la direction de la compagnie Shinra a publié un communiqué officiel. Le président Rufus a déclaré que les propos de l'individu de la vidéo sont sans fondement et que les images de l'intérieur du réacteur Mako ont été contrefaites. Par ailleurs, il a annoncé qu'une enquête est d'un gouvernement provisoire au Wutai. Bulletin spécial.